Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de la petite avec son tipi derrière. Je vous ai pas fait de DIY pour ce tipi, il est encore en construction. Hein. Donc voilà, je vous le montre pas encore. Il manque encore le tapis, les petits coussins à l'intérieur et tout. J'ai une tête de fatiguée parce que je suis vraiment vraiment très fatiguée. On vit encore plein de choses. Depuis le live, il s'est encore passé plein de choses. Je retourne à Erasme lundi, donc voilà, je vous donnerai des nouvelles évidemment. Mais je suis vraiment très fatiguée moralement et physiquement. Donc voilà, j'ai envie de me changer un petit peu les idées, de vous montrer les derniers achats que j'ai fait pour la petite. Et donc voilà, le Tipeee, vous m'aviez dit, enfin franchement vous étiez plein à me dire, va chercher les manches à balai chez Action. Ils sont pas très chers, c'est vrai, je crois que c'est 89 centimes, quelque chose comme ça. Mais ils font 1m20 et moi 1m20, déjà que vous devez les écarter, donc tout de suite ça raccourcit l'intérieur du Tipeee. Ça aurait fait un Tipeee de 80, 1 mètre maximum de haut. Bon, je trouvais ça vraiment très petit. Donc on a été chercher du bois chez Brico, 2 euros pour le mètre 80, donc c'était vraiment 1m80 de bois qu'on a mis avec de la ficelle en haut, de la ficelle en bas. Mais Simon a quand même, je vous montrerai de toute façon quand je vous montrerai la chambre de la petite, a quand même renforcé avec des planches en bois dans le fond. Le tissu vient de chez Mondial Textile à Waterloo et je le trouve vraiment sympa parce qu'il y a des petits triangles dessus, ça fait vraiment petit tipi. Ça aussi, les petits pompons viennent aussi de Mondial Textile. Donc voilà, je trouvais vraiment ça super sympa. Pour aller en dessous, j'ai acheté, il doit encore arriver la livraison, à mon avis ça va être la semaine prochaine. J'ai acheté un tapis en forme de nuage sur le site Berceau Magique. Je vous mettrai une photo peut-être juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais c'est je pense qu'il fait 60 cm sur 1 mètre, c'est un tapis nuage quoi. Et j'ai pas encore trouvé par contre de petits coussins. Je suis peut-être allée voir à la Maison du Monde ce soir, de petits coussins pour mettre à l'intérieur du tipi. Donc voilà, et chez Mondial Textile j'ai trouvé ceci. D'ailleurs, si vous avez un Mondial Textile près de chez vous, sachez que ce tissu est à 7 euros une chic du mètre. Donc c'est des bandes d'1m50 et après vous prenez par mètre de longueur. Donc voilà, moi j'ai pris pour ce tipi, j'ai pris 2 mètres. Donc voilà, ça fait 15 euros plus les bois à 2 euros pièce, j'en ai pris 5, donc voilà, ça me fait 10 euros, ça fait 25 euros, j'ai un Tipeee quoi. Donc franchement c'est pas cher du tout. Et Mondial Textile, vous avez cette petite collection que je trouve absolument adorable, c'est de la marque Lazarito, je connais pas du tout, c'est portugais apparemment. Et j'ai craqué sur cette gigoteuse, elle était en vitrine. Et je dis à Simon, j'aime trop cette collection, j'aime trop. Et c'était à 50%, vraiment 50%. Donc allez voir si vous avez Mondial Textile près de chez vous. Je vous dis, moi c'est à Waterloo que j'ai pris celui-ci. À la base, la gigoteuse est à 42,50€. Donc je l'ai payée 21,25€ exactement. Elle est canon, mais vraiment, je vais vous la montrer. Je vais la prendre à la maternité, c'est sûr. Elle est grande. Hein. Donc elle est vraiment très grande. Enfin, très grande non, mais elle est quand même assez grande. Mais je la trouve vraiment très belle. Elle est vraiment, elle est super chic et tout. Ça c'est sûr que je la prends, même si je dois la replier en dessous du lit ou quoi. Mais franchement pour 20 euros, elle est vraiment canon. Vous avez plein de choses, il y avait des bavoirs, des essuies de cette collection là. Et c'était à 50%, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes maman, vous habitez Waterloo. Sachez que cette petite collection qui est absolument dingue. Il y a aussi une autre collection dans les tons gris et rouge. C'était vraiment pas mal. Bon, c'est pas mes couleurs. Mais elle était vraiment très jolie. Et c'était aussi à 50%. Ensuite, j'avais déjà reçu dans une précédente vidéo, je vous l'avais montré. Hop, des articles. Elle montrait les petites... je les ai pas ici. Les petites pochettes pour ranger les vêtements de la petite dans sa valise pour la maternité. Mais j'avais pas reçu que ça de ce site-là. J'ai reçu tout d'abord ce magnifique maillot de bain parce que ici, fin du mois d'août, on commence avec Simon l'aquagym prénatal. Donc il me fallait un maillot de bain. Alors c'est pas du tout un maillot de bain de grossesse, mais je l'ai pris en taille 2XL. Il est magnifique, je vous avais mis une photo sur Instagram il y a facilement 2-3 semaines. Si vous voulez, je vous la remettrai peut-être ici si j'y pense. Mais sinon, vous allez voir sur mon Instagram, elle y est. Il est canon, mais vraiment canon. Franchement, je le trouve adorable. Il est un petit peu rembourré au niveau de la poitrine ici. Il s'attache comme ça derrière la nuque. Mais franchement, il est trop beau. Il est trop trop beau. Le maillot est de super qualité. Pourtant, on est chic. Ben voilà, c'est un site chinois. Donc on pourrait parfois être étonné de la qualité. Mais franchement,
il est canon. J'aurais très bien pu l'acheter dans un magasin par ici, vraiment. Là, je suis super contente et très étonnée de la qualité du maillot de bain. Ensuite, ça c'est pour mettre dans la voiture et je ne l'ai pas encore mis, je vais peut-être aller essayer de le mettre après. J'ai cet organisateur de siège arrière. Alors, vous allez vous demander un petit peu ce que c'est, mais je trouve ça absolument génial. Donc ça, ça s'attache derrière l'appui-tête, évidemment. Je ne pense pas le mettre devant le siège auto, hein. Je le mets de l'autre côté. Ça, c'est pour que ça s'attache en bas, mais je n'ai pas encore envie de voir comment ça fonctionne. Il y a une grande pochette ici. Je trouve ça génial quand vous avez des enfants. Deux petites pochettes ici. Une pochette ici pour mettre une boîte à mouchoirs. Top. Ça, je trouve ça adorable. Et deux petites pochettes ici, style pour mettre une bouteille d'eau ou un truc comme ça, ou le biberon. Enfin, c'est génial. C'est un organisateur, franchement. Je trouve ça génial. Il y a un petit cœur ici pour fermer. Enfin, franchement, je le trouve adorable. Vraiment, je suis fan. Donc ça, je vous mettrai peut-être un petit post sur Snapchat quand je l'aurai mis sur, dans la voiture. Et par contre, la seule déception, c'est ceci. Donc c'est un petit... comment on peut appeler ça? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une barboteuse pour la petite. Et donc, je l'ai trouvée sympa sur le site, mais je n'aime pas du tout la matière. Alors, est-ce qu'il y a une étiquette? Il n'y a pas d'étiquette? S'il y en a une. À mon avis, il ne va pas être noté. Non, il n'est pas noté. Mais je n'aime pas du tout la matière. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime pas du tout. Donc voilà, ça je ne serais rien en faire. Je vais le donner, je vais le mettre au petit rien où je vais trouver quelqu'un qui s'intéresse. Mais je n'aime pas du tout, donc je l'ai dit tout de suite sur le site. Et ils étaient contents que je leur donne mon avis pour améliorer leur produit. Parce que ça, je n'aime pas du tout la matière du tissu. Voilà, ensuite je suis passée chez Zeman. Chez Zeman d'ailleurs, les amis, j'avais acheté, si vous vous souvenez, les body manches longues, je commence à avoir mal au dos parce que je suis assise par terre, chez Kiabi, et c'était 3 € pièce. Donc vous aviez le paquet de 4 pour 12 €. 3 € pièce, ils sont vraiment très fins. Ils sont bien, mais ils sont vraiment très fins, même si c'est à manche longue. Et j'ai été chez Zeman et je suis tombée sur des body manches longues avec ouverture devant à 2,49 €. Et ils sont super épais. Donc franchement, si vous avez un Zeman près de chez vous, mais préférez plutôt ceux de chez Zeman que ceux de chez Kiabi. Maintenant, je ne sais pas au niveau du lavage si ceux de chez Zeman vont bouger et ceux de chez Kiabi ne bougeront pas. Mais ceux de chez Zeman sont vraiment beaucoup plus épais. On a vraiment l'impression d'avoir une meilleure qualité chez Zeman que chez Kiabi. Donc moi, je ne vais plus courir chez Kiabi pour les bodys. Sachant que Simon travaille près d'un Zeman, je vais prendre les bodys chez Zeman. D'ailleurs, les petits bodys comme ça... avec des bretelles, à fines bretelles comme ça. J'en avais déjà pris en 6-12 mois. Ici, j'ai pris en 2-6 mois pour quand même en avoir. Je crois que j'en ai pris 3 au cas où si on a du beau temps en mars, hein, on ne sait jamais. Et ils sont à 99 cents. Donc voilà, c'est pour vous dire quoi. Mais sinon, les body manches longues de chez Zeman, ils sont géniaux. J'ai repris aussi 2 petits bonnets. Mais ça, vous les connaissez, les petits bonnets. Enfin, je vous montrerai dans la valise pour la salle d'accouchement. Mais c'est des petits bonnets blancs classiques. Que j'ai pas ici parce que je les ai mis à laver. J'ai pris une petite boîte doseuse de lait comme ça, même si j'en ai une sur ma liste de naissance. Je me dis c'est toujours pratique, même pour la crèche. Donc au moins, moi j'en ai une dans le sac à langer, mais la crèche en aura une aussi. Donc voilà, je trouve ça très pratique. Et c'est 99 cents chez Zeman. Je me demande s'il n'y avait pas plusieurs couleurs. Mais bon, voilà, 99 cents, c'est pas perdu. Et pour 79 cents, j'ai trouvé un lot de 12 cuillères. Et vous aviez aussi les mêmes en bleu, franchement, mais 79 cents quoi. Ok, c'est pas des cuillères béaba super, un peu molles, mais je trouve que 79 cents, c'est une petite cuillère quoi. Donc elles vont filer dans ma cuisine. Et ensuite, tape à l'œil. Là, c'est gros craquage tape à l'œil. Vraiment gros craquage. Je me suis dit que c'était... Ah, j'ai encore ça de chez Zeman. J'ai encore ça, j'ai oublié. Deux petits bandeaux, un blanc à pois rose et un rose pâle. Voilà, ça c'est pour Zeman. Et donc je me suis dit, comme j'allais vous dire, chez Tape à l'œil, j'ai été, ce qui est super c'est que vous commandez sur le site et tout arrive dans le magasin que vous avez envie, donc le magasin près de chez moi. Vous regardez les articles, si vous n'avez envie de rien prendre, vous prenez rien. Si vous avez envie de prendre une pièce sur les 20 que vous avez commandé, vous prenez une pièce. Si vous avez envie de tout prendre, vous prenez tout. Et voilà, ça c'est juste génial parce qu'au moins, vous n'êtes pas obligé de renvoyer après par la poste, enfin soit. Ça arrive en magasin, vous regardez, vous prenez pas. Et voilà, je trouve ça génial. Là, j'ai tout pris. J'ai même été faire un tour dans le rayon, j'aurais peut-être pas dû. Mais je me suis dit que c'était vraiment les dernières choses que j'achetais.
parce que ma belle-maman a deux grosses caisses à me montrer de la petite fille, la sœur de Simon, donc de la nièce de Simon. Donc il faut absolument que je regarde là-dedans. Et après, les dernières choses que je vais acheter, ce sont vraiment des petites tenues 3 mois que j'essaye de lui faire pour pouvoir aller à la crèche. Donc des simples petits leggings avec des petits hauts. Ça, il faut absolument que je trouve des petits leggings et des petits hauts, des petits pulls 3 mois pour dire qu'elle soit à l'aise et pas forcément en pyjama à la crèche tout le temps. Donc voilà, ça c'est juste ce qui me reste à acheter. Alors petite blouse que j'ai trouvée en promo, elle est à 5€ au lieu de je ne sais pas combien parce qu'ils ont enlevé le prix. Et elle était en 6 mois, si elle avait été en 3 mois je l'aurais prise en 3 mois. Mais elle est vraiment très belle, elle est doublée. Et parce que bon, si elle n'est pas doublée, voilà, il y a des trous dedans si vous voulez. Elle est vraiment très belle avec les boutons dans le dos, franchement. C'est un rose pâle mais vraiment très très pâle. Et je la trouve vraiment magnifique, hein, une sorte de petit crochet comme ça. C'est vraiment une broderie, c'est super joli. Ensuite, je vais souffler, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment une tête, mais vraiment, il fallait juste que je filme pour me changer un peu les idées. Mais j'ai vraiment cette tête. Hein. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Donc ça, je l'ai offert à Simon, je l'avais fait emballer parce que je trouvais ça mignon. Ce petit pyjama qui m'a coûté, je pense, 14€, un truc comme ça. Je l'ai pris en 0 mois parce que bon voilà, j'ai pas de petit pyjama rose pour la maternité, j'avais envie d'avoir un petit pyjama rose quand même. Et donc il est marqué You are my daddy love et c'est un rose un peu chiné comme ça avec des petits cœurs et tout, il est trop mignon. Parce que Simon il me dit toujours oh mais c'est toujours mamie, mamie, mamie sur les petits pyjamas et là j'en ai trouvé un chez Tape à l'œil avec daddy donc je l'ai pris et il était content. Voilà, deuxième petit pyjama mais celui-là vous le connaissez. Vous le connaissez parce qu'il me semble que je l'ai en un mois celui-ci et j'ai carrément envie d'aller chercher dans toutes les tailles tellement je l'adore. 14,99€ aussi. Sachez que les pyjamas, si vous en achetez deux, le deuxième passe à 50%. Donc c'est quand même intéressant et j'ai vraiment envie d'aller chercher dans toutes les tailles. Il faut que je regarde. Je pense que je l'ai en un mois. Je pense que je vais aller l'acheter aussi en 3. Après 6, ce sera peut-être trop chaud pour l'été. Il est, quand même épais, donc ce sera peut-être trop chaud, mais il faut au moins que je le prenne en 3 mois parce qu'il est trop joli. Je l'aime trop ce petit pyjama. Donc voilà, je l'ai pris en taille 50 pour pouvoir le prendre à la maternité. Ensuite, en 3 mois, je vous disais, je cherche des petits t-shirts et des petits leggings. J'ai trouvé des petits t-shirts et ça, je pense que je vais aller les racheter. Ici, j'ai pris, je vous dis, en 3 mois, mais je pense que je vais aller les acheter en 6-9 mois aussi parce qu'ils sont à 3,99€. Le petit t-shirt manche longue comme ça. Donc c'est vraiment pas cher, il y a plein de couleurs, il y a aussi le moutarde que j'aimais beaucoup. Donc je pense vraiment que je vais aller les acheter en 6 et peut-être 9 mois. Parce que même si vous en prenez, même si vous en prenez 2 quoi, ça fait 8€. Franchement ils sont super mignons et vous avez juste ici en haut des manches le petit détail, un petit peu en relief comme ça. Ils sont vraiment très jolis avec des petits boutons dans le dos. Ça pour la crèche, donc je l'ai pris en bleu marine. En rose très très pâle et en blanc, voilà tout simple. Et ça c'est sûr, je pense que je vais vraiment aller en racheter parce que voilà, ça des petits t-shirts comme ça à manches longues, elle va m'en user je pense. Ensuite, son premier petit jeans. Mais regardez ça comme c'est trop chou. À la caméra c'est vraiment, mais vraiment super petit quoi. C'est en 3 mois, il était à 11,99€ moins 30%. Il a l'air assez élastique, mais je le trouvais vraiment brut et tout simple, quoi. Vraiment, moi, j'aime pas les jeans vraiment trop farfelus avec des trucs dessus. Voilà, moi, c'est le basique, vous le savez. Maintenant, j'ai bien dit à Simon, ça, c'est pas à porter toute une journée. C'est vraiment si le soir, même pas pour aller à la crèche, hein, parce que ça, elle sera pas à l'aise toute la journée à la crèche. C'est vraiment si le soir, on doit aller quelque part, si on va au resto, si on va chez quelqu'un et tout. Voilà, si on est invité quelque part, voilà, ça, je le prends. Et elle le met, mais sinon elle portera pas ça toute la journée hein. Enfin voilà, non, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve qu'ils sont pas du tout à l'aise là-dedans, donc voilà, mais il est vraiment trop canon. Je suis trop fan. En 3 mois également je l'ai pris en 3 mois et en 0 mois parce que je la trouve adorable. Donc en tant que vêtement de sortie, je sais pas encore si je mets le petit pyjama que je vous ai montré, la tête dans les étoiles là, ou si je mets cette petite salopette canon. Je la trouve trop canon, franchement elle est totalement mixte hein. Je la trouve vraiment adorable et donc je l'ai tellement aimée que je me suis dit que ça irait super bien
pour la crèche. Donc je l'ai pris en 3 mois aussi. Voilà, elle coûte 12,99€. Donc je l'ai pris en 3 et en 0. Donc je sais pas si je mettrai ça pour la sortie ou le petit pyjama. Je verrai bien. Franchement, je sais pas du tout. Mais je la trouve adorable. Et pour aller au-dessus, je me suis dit que j'avais des petites brassières en laine, j'avais des petits pulls, mais je n'en ai pas en 0. J'en ai une en 1-3 mois de chez Zara, mais qui m'a l'air vraiment grande. J'en ai une en 1 mois aussi. Est-ce que c'est de chez Zara, je ne sais plus, ou de chez Tape à l'œil. Mais elle est vraiment très grande, je me suis dit c'est pas possible, elle va flotter dedans à la sortie de la maternité, ça va pas être beau, enfin c'est affreux. Et donc du coup, je me suis dit, pour aller avec ça, hop, je lui mettrais bien une petite brassière comme ça. Et ça serait sa tenue de sortie en fait. Voilà, donc je sais pas encore. Donc j'ai pris en 0 mois un petit pull avec les petites têtes de chat, vous savez, j'en ai plusieurs et comme ça. C'est 12,99€ pièces, donc j'en ai pris un blanc cassé comme ça, un gris, pour pouvoir aller avec mes pyjamas blancs. Voilà. Et du coup, j'en ai pris un, mais cette fois-ci en 3 mois. Et du coup, j'en ai pris un en 3 mois cette fois-ci en bleu marine. Voilà, toujours le même parce que je les trouve absolument adorables, ces petits gilets. Ils sont bien chauds et tout. Et pour le prix, c'est vraiment très sympa. Je pense que Tape à l'œil et Zara, c'est vraiment mes deux magasins coup de cœur pour les enfants. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait autant plaisir qu'à moi, parce que j'ai vraiment besoin de sortir de tout ça, de voir du positif, de voir peut-être certainement même du superficiel. Mais en ce moment, je peux vous assurer que j'ai vraiment, vraiment besoin de ça pour me changer les idées. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!